Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Quoi? Encore à la recherche d'une idée? Bon, mais soyons honnêtes, c'était déjà le cas avant de manger sans lait, sans gluten. Non? Ouais. Sauf qu'à l'époque, eh ben, il suffisait de jeter une pizza surgelée au four, de faire vite fait des pâtes à la carbonara ensevelies sous du gruyère râpé, et le tour était joué. Le repas était prêt. Pas le choix, il faut se refaire votre répertoire de plats vite fait, bien fait. Et vous savez quoi? Mon préféré en hiver, c'est le cake salé. Salé. Ouais, il met tout le monde d'accord. But do you speak English? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je vous donne la recette de mon carrot cake salé, sans gluten et sans produits laitiers, juste après ça. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ton assiette. C'est Virginie. Sur cette chaîne, je partage avec vous mes astuces et mes meilleures recettes sans gluten et sans produits laitiers pour vous aider à aller vers une alimentation hypotoxique et être en pleine forme. Donc, si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner. Le soir, en rentrant du travail, vous êtes souvent en panne d'inspiration. Eh bien, quand ça m'arrive, ou quand j'ai la flemme, et oui, ça m'arrive aussi d'avoir la flemme, je me raccroche à un de mes classiques. Et mes classiques, c'est quoi? Mes classiques, eh bien, c'est tout simplement les 10 recettes que vous retrouverez dans mon e-book gratuit. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Mais quel rapport avec le carrot cake salé? C'est simplement l'histoire du désert dans mon placard qui a rencontré un peu d'improvisation. Et de là, le carrot cake salé coco curry est né. Adopté à l'unanimité par mon jury de gourmands, le voici au sommet de sa gloire sur YouTube. Suivez-moi pour la recette et restez après le tuto, je vous donne 3 idées d'accompagnement pour ne plus jamais être en panne d'inspiration. C'est parti! Pas mal, non? Chez nous, il a fait un tabac. En tout cas, tout le monde s'est resservi. Eh bien, justement, avec quoi je le sers? Eh bien, 3 possibilités. Vous le servez soit avec de la salade, soit avec de la soupe, soit avec des crudités. En plus, en salade, vous avez l'embarras du choix, de la simple laitue aux pousses d'épinards en passant par de la rouquette. Vraiment, rien de plus simple. Pour la soupe, ben, soyons raccord niveau couleur, de la soupe orange. Alors, butternut, potimarron, courge. Bon, ma préférée, c'est potimarron. Pour les crudités, là aussi, vous avez le choix. Vous pouvez faire du chou-kale après un petit massage, ou chou rouge, ou soyons fous, carottes râpées à l'orange. Et la recette est aussi dans l'e-book. Et si vous, vous me disiez avec quoi vous avez envie de le manger, votre carotte cake salée, allez, laissez-moi dans le commentaire. Si vous souhaitez d'autres recettes simples et efficaces, retrouvez mes 10 recettes dans mon e-book gratuit. Je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo. Il y a notamment une autre variante de cake salé qui vous permettra de varier les idées et les plaisirs. Si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un petit pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner pour les prochaines recettes. À très bientôt pour de prochaines vidéos et n'oubliez pas de soigner votre assiette.